This is test one. Test one. All rise. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience du mécanisme international, appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le greffe veut-il bien annoncer l'affaire inscrite au rôle? Bonjour, honorable juge. Affaire numéro MICT-19-121-I. Le procureur contre Augustin Garabatoiré. Merci. Bonjour, je suis le juge Van Johnson, juge unique affecté à la présente affaire. Les parties veulent bien se présenter en commençant par le bureau du procureur. Le procureur, bonjour. Honorable juge, le procureur représenté par moi-même, Tembélé Sekouété. Avocat général principal, Rachid Rachid. Juriste, Bola Akinsete, Stavrola Papadopoulos. Juriste, nous sommes assistés de Janet Stewart, chargée du dossier. Merci.
le conseil de permanence de Augustin Garbatoire. Je suis avocat. Monsieur Augustin, dans le cadre de la présente affaire, en qualité de conseil de permanence. Thank you, counsel. This is the initial appearance. Nous sommes ici dans le cadre de la comparution initiale de Monsieur Augustin Garabatoire. La présente audience se déroulera conformément à l'article 18 du statut et l'article 64 du règlement de procédure et de preuve. Avant de lever l'audience, les parties auront l'occasion de soulever toute autre question pertinente. Je rappelle aux parties que certaines informations liées à la présente affaire sont confidentielles et font l'objet de mesures de protection. S'il est nécessaire de débattre de questions confidentielles, veuillez s'il vous plaît solliciter un huis clos partiel. Le 10 octobre 2019, en ma qualité de juge de permanence, j'ai confirmé un acte d'accusation dressé contre M. Garabatoire, dans lequel le procureur a obtenu deux chefs d'outrage au Tribunal pénal international pour le Rwanda et au mécanisme, et un chef d'incitation à commettre un outrage au TPIR et au mécanisme. M. Garabatoire n'est pas détenu sur la base du présent acte d'accusation. Il est actuellement détenu au centre de détention des Nations Unies au regard de l'arrêt de révision dans lequel la Chambre d'appel a statué que l'arrêt imposant à l'accusé une peine d'emprisonnement de 30 ans reste exécutoire à tous égards. Avant de poursuivre, j'aimerais vous informer, M. Garabatoire, que vous avez le droit fondamental de garder le silence tout au long de cette procédure sans que cela ne soit retenu contre vous. En outre, et sans préjudice de votre droit fondamental à assurer vous-même votre défense, vous avez également le droit fondamental d'être assisté d'un conseil. Toutes les dispositions pour vous faire représenter par un conseil seront prises par l'entremise du greffe. De plus, l'article 19 vous garantit un certain nombre de droits. Le greffe veut-il bien donner lecture de l'article 19 dans son intégralité? Merci, honorable juge. Article 19. 1. Tous sont égaux devant le mécanisme. 2. Toute personne contre laquelle des accusés sont portés a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'article 20 du présent statut. 3. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie, conformément aux dispositions du présent statut. 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit en toute égalité au moins aux garanties suivantes. A. Être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. B. Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix. C. Être jugé sans retard excessif. D. Être présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, être informée de son droit d'en avoir un. Et chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. E. Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. F. Se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. G. Ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Je vous remercie. Merci, Monsieur le greffier d'audience. Il ressort de la décision du greffier du 11 octobre 2019 que M. Garabatoire est actuellement représenté
par un conseil de permanence. Je m'adresse au conseil de M. Nguera Touré. Pouvez-vous confirmer, maître, que votre client a été saisi d'une copie de l'acte d'accusation daté du 10 octobre 2019 dans une langue qu'il comprend, qu'il a lu l'acte d'accusation et en a compris le contenu? Sorry, counsel. Désolé, maître. Veuillez parler dans votre microphone. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Que nous confirmons avoir reçu l'acte d'accusation. Je dis que nous confirmons avoir reçu l'acte d'accusation dans la langue que nous comprenons. Merci. Thank you, counsel. Merci, maître. Votre client souhaite-t-il obtenir lecture de l'acte d'accusation ou renonce-t-il à ce droit? Écoutez, l'acte d'accusation, la lecture de l'acte d'accusation. Very well, Mr. Registrar, please read out. Très bien, Monsieur le greffier d'audience, veuillez donner lecture du texte intégral de l'acte d'accusation. The prosecutor of the international residual. Le procureur du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, le mécanisme, en vertu du pouvoir que le confèrent les articles 1.4a, 14.1 et 16.4 du statut du mécanisme, le statut, et l'article 90 du règlement de procédure et de preuve du mécanisme, le règlement, accuse Augustin Nguera Touré d'outrage et d'incitation à commettre un outrage au tribunal pénal international pour le Rwanda et au mécanisme, ainsi qu'il a exposé ci-après, l'accusé. Augustin Nguera Touré est né le 12 janvier 1957 dans la commune de Nyamnyumba, préfecture de Gisenyi, Rwanda. En juillet 1990, Augustin Nguera Touré a été nommé ministre du Plan, poste qu'il occupait au sein du gouvernement intérimaire rwandais en avril 1994. Il est également membre du comité préfectoral du Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement, le MRND, dans la préfecture de Gisenyi, du comité national du MRND et de la commission technique de la commune de Nyamnyumba. Augustin Nguera Touré a été arrêté le 17 septembre 2007 en Allemagne et transféré le 8 octobre 2009 au tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR. Le 20 décembre 2012, une chambre de première instance du TPIR l'a déclaré coupable de génocide, d'incitation directe et publique à commettre le génocide, ainsi que de viol constitutif de crime contre l'humanité et l'a condamné à une peine de 35 ans d'emprisonnement. Le 18 décembre 2014, la Chambre d'appel du mécanisme a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre Augustin Nguera Touré pour génocide et pour incitation directe et publique à commettre le génocide et a réduit sa peine à 30 ans d'emprisonnement. Pendant toute la période visée par l'acte d'accusation, Augustin Nguera Touré était détenu au Centre de détention des Nations Unies, le centre de détention, à Arusha, Tanzanie. Le 8 juillet 2016, Augustin Nguera Touré a déposé la demande en révision du jugement et de l'arrêt au motif que 4 témoins de l'accusation, Anae, Anam, Anan et Anat, ensemble, les témoins s'étant retractés, étaient revenus sur les témoignages qu'ils avaient livrés lors du procès et qui avaient fondé la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. Le 19 juin 2017, la Chambre d'appel du mécanisme a fait droit à la demande en révision présentée par Augustin Nguera Touré et a ordonné la tenue d'un procès en révision. Le 6 mai 2009 et le 28 janvier 2010, la Chambre de première instance 2 du TPIR a ordonné des mesures de protection dans l'affaire Nguera Touré en faveur des témoins s'étant rétractés et du témoin de l'accusation anale, ensemble les témoins protégés, exigeant entre autres que toute information permettant d'identifier les témoins ou leurs familles demeure confidentielle
et que l'identité des témoins ne soit pas communiquée ou révélée directement ou indirectement à des tiers. Le 5 août 2016, la Chambre d'appel du mécanisme a modifié, dans le cadre de la procédure en révision dans l'affaire Nguira Batware, les mesures de protection ordonnées en faveur des témoins s'étant rétractées, ordonnant notamment que les parties qui souhaitaient entrer en contact avec les témoins soient tenues de s'adresser au service d'appui et de protection des témoins. Le 24 août 2018, la Chambre d'appel, saisie de la procédure en révision dans l'affaire Nguira Batware, a également ordonné des mesures de protection en faveur du témoin de l'accusation, Anal, interdisant à tous les membres de la défense de tenter de découvrir par leurs propres moyens l'identité de quelque témoin protégé de l'accusation que ce soit, ou d'encourager ou d'aider de quelque autre manière un tiers à le faire. Le 22 novembre 2017, la Chambre d'appel a ordonné que le procès en révision se tiendrait du 8 février 2018 au 16 février 2018. Le 27 novembre 2017, le greffe a communiqué aux parties des informations selon lesquelles, le 7 novembre 2016 et le 9 août 2017, le témoin de l'accusation, Anal, avait fait savoir à des fonctionnaires du greffe que l'on était venu la voir afin de lui proposer de l'argent pour qu'elle revienne sur ce qu'elle avait déclaré au procès et qu'elle témoigne en faveur d'Augustin Nguira Batware. Le 30 novembre 2017, le Conseil de la Défense, qui représentait alors Augustin Nguira Batware, a présenté une requête aux fins d'être déchargé de son mandat au motif, entre autres, qu'à son insu, des partisans d'Augustin Nguira Batware avaient à plusieurs reprises pris directement contact avec des témoins de l'accusation en violation des mesures de protection. Le 19 décembre 2017, par suite de la requête du Conseil de la Défense qui représentait alors Augustin Nguira Batware, aux fins d'être déchargé de son mandat, la Chambre d'appel a annulé l'ordonnance fixant la date de l'audience consacrée à la révision rendue le 22 novembre 2017. Le 27 juillet 2018, la Chambre d'appel a ordonné que le procès en révision se tiendrait du 24 septembre 2018 au 28 septembre 2018. Le 24 août 2018, un juge unique du mécanisme a confirmé l'acte d'accusation daté du 5 juin 2018 dans lequel Maximilien Tourinabou, Anselme Nzabonimpa, Jean de Dieu Ndagijimana, Marie-Rose Fatouma, Edic Prudence Mounichouli sont accusés d'outrage au TPIR et au mécanisme et d'incitation à commettre un outrage au TPIR et au mécanisme. Les accusations portées contre eux concernent les témoins protégés et se rapportent à une tentative concertée d'obtenir l'acquittement d'Augustin Nguira Batware au stade de la révision en entravant le cours de la justice. Le 3 septembre 2018, Maximilien Tourinabou, Anselme Nzabonimpa, Jean de Dieu Ndagijimana, Marie-Rose Fatouma et Dick Prudence Mounichouli ont été arrêtés. Ils ont été transférés au centre de détention le 11 septembre 2018. Le 14 septembre 2018, Augustin Nguira Batware ayant demandé à bénéficier de davantage de temps pour se préparer, par suite de la communication de documents par l'accusation, la Chambre d'appel a annulé l'ordonnance portant calendrier du 27 juillet 2018. Le 22 juillet 2019, la Chambre d'appel a ordonné que le procès en révision se tiendrait du 16 septembre 2019 au 27 septembre 2019. Le 27 septembre 2019, la Chambre d'appel a rendu un arrêt de révision public dans lequel elle concluait qu'Augustin Nguira Batware n'avait pas présenté d'éléments de preuve suffisants et dignes de foi au procès en révision pour établir l'existence du fait nouveau relativement aux déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour génocide. Par conséquent, la Chambre d'appel, à l'unanimité, a décidé que l'arrêt rendu en appel restait exécutoire à tous égards. Tout au long de la période allant de juin 2015 à septembre 2018, au nom d'Augustin Nguira Batware et avec sa participation, Maximilien Tourinabou, Anselme Nzabonimpa, Jean de Dieu Ndagijimana et ou Marie-Rose Fatouma ont pris directement contact avec les témoins protégés et ou d'autres personnes qu'elles connaissaient
les intermédiaires afin de contacter et d'influencer les témoins protégés. Faisait partie des intermédiaires Laurent Maniraguha, qui a servi à contacter Anae, Valentine Mukamisha, qui a servi à contacter Anam, Vedaste Mbarimo, qui a servi à contacter Anan, Vincent Toagirayesu, qui a servi à contacter Anat, et des parents d'Anal, qui ont servi à contacter celle-ci. En août 2015, Augustin Guérabatoiré a également pris directement contact avec Anae en vue de l'inciter à revenir sur sa déposition. En outre, Augustin Guérabatoiré et Anselme Nzabonimpa se sont servis d'Hippolyte Iroa, le fils d'Anselme Nzabonimpa, pour faciliter des paiements aux intermédiaires et aux témoins protégés. Eu égard à son comportement décrit ci-dessous, Augustin Guérabatoiré est individuellement pénalement responsable au regard de l'article 14A du statut et de l'article 90A4 du règlement pour avoir commis l'outrage au TPIR et au mécanisme exposé au chef 1 à raison des actes décrits au paragraphe 20 à 23. En outre, ou subsidiairement, Augustin Guérabatoiré est individuellement pénalement responsable au regard de l'article 14A du statut et des articles 90A4 et 90B du règlement pour avoir incité d'autres personnes à commettre l'outrage au TPIR et au mécanisme exposé au chef 2. En outre, Augustin Guérabatoiré est individuellement pénalement responsable au regard de l'article 14A du statut et des articles 90A2 et ou 3 du règlement pour avoir commis un outrage au TPIR et au mécanisme en communiquant des informations confidentielles concernant les témoins protégés et pour avoir eu des contacts non autorisés avec les témoins protégés en violation délibérée d'une ordonnance judiciaire ainsi qu'il est allégué au chef 3. Outrage, pression exercée sur des témoins, chef 1. À partir d'août 2015 au moins, et jusqu'en septembre 2017, Augustin Guérabatoiré a directement ou par l'intermédiaire de Maximilien Tourinabo, d'Anselme Nzabonimpa, de Jean de Dieu Dagjimana et ou de Marie-Rose Fatouma, commis les actes suivants, dans le but de pousser les témoins protégés à revenir sur ce qu'ils avaient déclaré au procès. 1. Le 15 août 2015, vers cette date, alors qu'Anae se trouvait à Kampala, Ouganda, Augustin Guérabatoiré a, par des moyens de télécommunication depuis le centre de détention, exercé des pressions sur le témoin pour qu'elle revienne sur ce qu'elle avait déclaré au procès. En octobre et en novembre 2015, Augustin Guérabatoiré a participé à la rédaction d'une lettre dans laquelle Anam serait revenue sur ce qu'elle avait déclaré au procès et l'a transmise à Anselme Nzabonimpa dans l'intention qu'il soit fait pression sur le témoin afin qu'elle le signe la dite lettre ou qu'elle soit poussée à agir dans ce sens, puis Jean de Dieu Ndagijimana, au nom d'Augustin Guérabatoiré, a exercé des pressions sur le témoin pour qu'elle signe la lettre et ou l'a poussée à agir dans ce sens, et par la suite, le 16 février 2016, Anselme Nzabonimpa a envoyé la lettre signée au mécanisme par DHL Kigali. En novembre 2015, Augustin Guérabatoiré a participé à la rédaction d'une lettre dans laquelle Anan serait revenu sur ce qu'il avait déclaré au procès et l'a transmise à Anselme Nzabonimpa dans l'intention qu'il soit fait pression sur Anan afin qu'il signe la dite lettre ou qu'il soit poussé à agir dans ce sens. Puis Anselme Nzabonimpa, au nom d'Augustin Guérabatoiré, a exercé des pressions sur le témoin pour qu'il signe la lettre et ou l'a poussé à agir dans ce sens, et par la suite, le 16 février 2016, a envoyé la lettre signée au mécanisme par DHL Kigali. Entre le 19 et le 26 janvier 2016, Augustin Guérabatoiré a rédigé des lettres
dans lesquelles Anae et Anam auraient accepté de rencontrer la défense et les a transmises à Anselm Zabonimpa dans l'intention qu'il soit fait pression sur les témoins afin qu'elles signent les dites lettres et où les a poussées à agir dans ce sens. Puis, Maximilien Tourinabo, Anselm Zabonimpa et où Jean de Dieu Ndagijimana ont, avec Laurent Maniraguha, ou par son intermédiaire et au nom d'Augustin Guérabatoiré, exercé des pressions sur Anae et Anam pour qu'elles signent ces lettres au marché de Maoko à Gisenyi le 27 janvier 2016. Et par la suite, le 12 février 2016, Anselm Zabonimpa a envoyé les dites lettres au mécanisme par DHL Kigali. Entre septembre 2016 et le 7 novembre 2017, Augustin Guérabatoiré a donné pour instruction à Marie-Rose Fatouma d'exercer des pressions sur Anal afin qu'elle revienne sur ce qu'elle avait déclaré au procès, ce que Marie-Rose Fatouma a fait. À partir de juin 2016 et jusqu'en juin 2018, Augustin Guérabatoiré, par l'intermédiaire de Maximilien Tourinabo, d'Anselm Zabonimpa, de Jean de Dieu Ndagijimana et ou Marie-Rose Fatouma, a donné des instructions aux témoins protégés à propos des renseignements qu'ils devaient fournir pendant leur entretien avec le conseil, qui à l'époque le représentait, et avec ceux qui le représentent désormais pendant leur entretien avec l'accusation. Et ou à propos de ce qu'il devait dire au procès en révision en commettant les actes suivants. En juin 2016, Augustin Guérabatoiré a préparé des informations que les témoins s'étant rétractés devaient fournir pendant leur entretien avec leur conseil et qui à l'époque le représentait a envoyé ces informations à Anselm Zabonimpa afin qu'il les utilise dans le cadre des instructions données aux témoins s'étant rétractés, ce qu'Anselm Zabonimpa a fait. En septembre 2017, Augustin Guérabatoiré a préparé des informations que les témoins s'étant rétractés devaient fournir conjointement avec les informations préparées en juin 2016 pendant les entretiens avec l'accusation et envoyé ces informations à Anselm Zabonimpa afin qu'il les transmette à Maximilien Tourinabo et à Jean de Dieu Ndagijimana, ce qu'il a fait. Et entre le 28 juillet 2017 et jusqu'à la fin septembre 2017, par des moyens de télécommunication et ou dans le cadre des rencontres en personne à Gisenyi, au Rwanda, Maximilien Tourinabo et Jean de Dieu Ndagijimana ont donné des instructions à Anam et à Anae directement et ou par l'intermédiaire de Laurent Maniraguha à propos de ce qu'il fallait dire s'agissant des circonstances entourant les rétractations et ce au nom d'Augustin Guérabatoiré. Et entre le 28 juillet 2017 et la fin septembre 2017, par des moyens de télécommunication et ou dans le cadre de rencontres en personne à Gisenyi, au Rwanda, Maximilien Tourinabo et Anselm Zabonimpa ont donné des instructions à Anan à propos de ce qu'il fallait dire s'agissant des circonstances entourant les rétractations et ce au nom d'Augustin Guérabatoiré. Entre septembre 2016 et le 7 novembre 2016, Augustin Guérabatoiré a donné pour instruction à Marie-Rose Fatouma de fournir à Anal les informations préparées qu'il voulait qu'elle donne en réponse aux questions qui lui seraient posées par le conseil qui, à l'époque, le représentait et lors du procès en révision, ce que Marie-Rose Fatouma a fait. Entre le 15 mai 2018 et le 11 juin 2018, Augustin Guérabatoiré, par l'intermédiaire de Maximilien Tourinabo, d'Anselm Zabonimpa et ou de Jean de Dieu Ndagijimana, a donné aux témoins s'étant rétractés des instructions à propos de ce qu'il fallait dire pendant leur entretien avec son conseil prévu pour les 12 et 13 juin 2018.
À partir du 29 juillet 2017 et jusqu'en septembre 2017, Augustin Guilla-Batoiré, par l'intermédiaire de Maximilien Torinabo et de Jean de Dieu de Guijimana, a pris des mesures pour obtenir de Laurent Maniraguha, de Vincent Touagirayezu et de Vedaste Mbarimo et ou de Valentine Mokamicha de faux témoignages corroborant les prétendues rétractations d'Anaï, d'Anam, d'Anan et ou d'Anat. D'après les informations préparées par Augustin Guilla-Batoiré en juin 2016 et en septembre 2017, et devant servir à former Vedaste Mbarinabo, Valentine Mokamicha et ou Laurent Maniraguha, par des moyens de télécommunication et ou dans le cadre de rencontres en personne à Gisenyi, au Rwanda, Maximilien Torinabo et Jean de Dieu Ndagijimana ont donné des instructions à Vedaste Mbarimo, à Valentine Mukamisha et ou à Laurent Maniraguha. D'après les informations préparées par Augustin Guilla-Batoiré en juin 2016 et en septembre 2017, et devant servir à former Vincent Touagirayezu par des moyens de télécommunication et ou dans le cadre de rencontres en personne à Gisenyi, Rwanda, Jean de Dieu Ndagijimana a donné des instructions à Vincent Touagirayezu à propos de ce qu'il devait dire. À partir de juin 2015 environ et jusqu'en août 2018, Augustin Guilla-Batoiré est par intermédiaire de Maximilien Torinabo, d'Anselm Zabonimpa, de Jean de Dieu Ndagijimana et ou de Marie-Rose Fatouma, a offert et versé des pots de vin aux témoins protégés, aux intermédiaires, en échange de leur coopération avec sa défense et en vue d'influencer leurs témoignages à venir, notamment par les actes suivants. Le 25 juin 2015, ou vers cette date, Augustin Guilla-Batoiré a donné à Anselm Zabonimpa la somme de 2000 euros que celui-ci a utilisée pour corrompre les témoins protégés, les intermédiaires notamment. En août 2015, Anselm Zabonimpa a versé à Laurent Maniraguha un pot de vin d'un montant de 350 000 francs rwandais. Les 1er et 29 septembre 2015, Anselm Zabonimpa a versé à Vedaste Mbarimo par Mobile Money des pots de vin d'un montant total de 80 600 francs rwandais. Le 27 septembre 2015, Anselm Zabonimpa a versé à Anan par moyen de Mobile Money des pots de vin d'un montant total de 100 000 francs rwandais. Le 26 octobre 2015, Anselm Zabonimpa et Maximilien Torinabo ont versé à Vincent Touagirayezu par Mobile Money un pot de vin d'un montant de 49 600 francs rwandais. Le 29 et 30 octobre 2015, ou vers ces dates, Augustin Guilla-Batoiré a donné Anselm Zabonimpa par l'intermédiaire d'Hippolyte Irois, le fils d'Anselm Zabonimpa, la somme de 5 000 euros que ce dernier a utilisé pour corrompre les témoins protégés et les intermédiaires, notamment. Le 25 janvier 2016, Anselm Zabonimpa et Jean de Dieu Ndagijimana ont versé à Anam par Mobile Money un pot de vin d'un montant de 29 750 francs rwandais. Le 2 février 2016, Anselm Zabonimpa et Maximilien Torinabo ont versé à Anaï, à Anam et à Vincent Togrezu par Mobile Money un pot de vin d'un montant de 99 450 francs rwandais chacun. Le 15 février 2016, ou vers cette date, Augustin Guilla-Batoiré a, par l'intermédiaire d'Hippolyte Irois, donné à Anselm Zabonimpa la somme de 2000 euros que ce dernier a utilisé pour corrompre les témoins protégés et les intermédiaires notamment. Le 22 février 2016, Anselm Zabonimpa a versé à Anan un pot de vin d'un montant d'un million de francs rwandais. Entre
Le 26 février 2016 et le 16 mars 2016, ou vers cette période, Augustin Guilain-Batoin a, par l'intermédiaire d'Hippolyte Hiroua, donné en Samzabonima la somme totale de 6 000 euros que ce dernier a utilisé pour corrompre les témoins protégés et les intermédiaires, notamment. Le 5 mars 2016, Ansem Zabondima a versé à Anan un pot de vin d'un montant d'un million de francs rwandais. Entre le 20 et le 24 août 2016, Ansem Zabondima et ou Jean de Dieu Ndagijimana ont versé des pots de vin d'un montant approximatif de 200 000 francs rwandais à Anan, de 300 000 francs rwandais à Laurent Maniragua et d'un million de francs rwandais à Anan et de 500 000 francs rwandais à Anam. Entre septembre et novembre 2016, à Gisenyi, au Rwanda, notamment à l'église Stella Maris, chez Anal et ou chez Françoise Nirabunori, une parente d'Augustin Guilain-Batoin, Marie-Rose Fatouma a proposé de l'argent à Anal, notamment une somme de 3 000 $ des États-Unis et ou une maison si elle acceptait de revenir sur ce qu'elle avait déclaré au procès dans l'affaire Guilain-Batoin. Entre le 22 et le 25 mai 2017, Ansem Bonema a versé à Anan par Mobile Money des pots de vin d'un montant total de 110 000 francs rwandais. Le 1er août 2017, Maximilien Turinabo et Ansem Zabonimba ont versé à Laurent Maniragua et à Anae par Mobile Money des pots de vin en échange de leur coopération avec la défense d'Augustin Guilain-Batoin et pour influencer leur témoignage à venir. Le 5 et 6 décembre 2017, ouvert ces dates, Augustin Guilain-Batoin, au moyen de communication numérique depuis le centre de détention, a donné à Maximilien Turinabo, par l'intermédiaire d'Anselm Zabonimba, des instructions concernant le versement à Laura Maniragua et à Anna d'un pot de vin d'un montant de 500 000 francs rwandais. Et Maximilien Turinabo a versé à Laura Maniragua et à Anna la somme de 400 francs rwandais. Entre le 12 et le 21 décembre 2017, Augustin Guilain-Batoin, au moyen de communication numérique depuis le centre de détention, a coordonné avec Anselm Zabonima le transfert d'argent sur le compte bancaire d'Hippolyte Hiroua dans l'intention de verser cet argent à Anselm Zabonima pour payer les témoins protégés, notamment. Le 28 décembre 2017, Anselm Zabonima a versé à Anan par Mobile Money un pot de vin d'un montant de 102 000 francs rwandais. Le 8 et 9 février 2018, Augustin Guilain-Batoin, au moyen de communication numérique depuis le centre de détention, a donné à Jean de Dieu Ndagijimana, par l'intermédiaire d'Anselm Zabonima, des instructions visant à corrompre Anam. Entre le 28 et le 30 mai 2018, Augustin Guilain-Batoin, au moyen de communication numérique depuis le centre de détention, a donné à Jean de Dieu Ndagijimana, par l'intermédiaire d'Anselm Zabonima, des instructions visant à corrompre Laurent Maniragua et ou Anae, ce que Jean de Dieu Ndagijimana a fait. Entre le 27 et le 30 août 2018, Augustin Guilain-Batoin, au moyen de communication numérique depuis le centre de détention, a donné Anselm Zabonima des instructions visant à corrompre Anae, Anam et Anan. Augustin Guilain-Batoin est individuellement pénalement responsable pour avoir délibérément et sciemment commis un outrage directement et ou par l'intermédiaire de Maximilien Turinabo, d'Anselm Zabonima, de Jean de Dieu Ndagijimana et ou de Marie-Rose Fatouma, agissant en son nom, ainsi qu'il est exposé au paragraphe 20 à 23. Incitation à commettre un outrage, pression exercée sur des témoins chefs d'eux. En outre, ou subsidiairement,
à la commission des infractions visées au chef 1. Augustin Guillaume-Batoiré est individuellement pénalement responsable au regard de l'article 1.4a du statut et des articles 90A4 et 90B du règlement pour avoir délibérément et sciemment incité Maximilien Torinabo, Anselme Zabonima, Jean Dodieu Ndegijimana et ou Marie-Rose Fatouma à commettre un outrage au TPIR et au mécanisme ainsi qu'il est exposé au paragraphe 20 à 23. Outrage. Violation en connaissance de cause et inexécution d'ordonnance judiciaire. Chef 3. Augustin Guillaume-Batoiré est aussi individuellement pénalement responsable au regard de l'article 1.4a du statut et des articles 90a2 et ou 3 du règlement pour avoir commis un outrage. Le 15 août 2015, ou vers cette date, en violation délibérée des mesures de protection ordonnées le 6 mai 2009 par la Chambre de première instance, Augustin Guillaume-Batoiré a eu des contacts non autorisés avec ANAE au moyen de communication numérique depuis le centre de détention, ainsi qu'il est exposé au paragraphe 20i. À partir de novembre 2017 et au moins et jusqu'en août 2018, en violation délibérée d'ordonnance judiciaire et de mesures de protection ordonnées le 6 mai 2009, le 5 août 2016 et le 24 août 2018, par la chambre de première instance et la chambre d'appel, Augustin Guillaume-Batoiré a, au moyen de communication numérique depuis le centre de détention, communiqué à Anselme Zabonima des informations confidentielles relatives aux témoins et au contenu d'écriture confidentielle et lui a demandé de les transmettre à Maximilien Torinabo et ou à Jean de Dieu Ndegijimana. Le 27 novembre 2017, Augustin Guillaume-Batoiré a communiqué et ou révélé le contenu confidentiel des observations du greffier datées du 13 décembre 2016 et du 11 août 2017 concernant Anal à Anselme Zabonima qui a transmis cette information à Maximilien Torinabo en violation des mesures de protection ordonnées le 6 mai 2009. Le 27 juin 2018, le 30 juillet 2018 et le 2 août 2018, Augustin Guillaume-Batoiré a communiqué et ou révélé des informations confidentielles permettant d'identifier Anal et sa sœur ainsi que les parents d'Anaé à Anselme Zabonima, qui a transmis certaines de ces informations à Maximilien Torinabo en violation des mesures de protection ordonnées le 6 mai 2009. Page 7, 6, voire aussi 2, et le 5 août 2016, page 5, 6, selon lesquelles les parties sont tenues de protéger la confidentialité des informations susceptibles de permettre l'identification des témoins et de leurs familles. Le 14 août 2018, un jour après qu'il avait été enjoint à l'accusation de manière confidentielle de réduire sa liste de témoins, Augustin Guillaume-Batoiré a révélé le contenu de cette ordonnance confidentielle à Anselme Zabonima, qui a transmis cette information à Maximilien Torinabo et à Jean de Dieu Ndegijimana. Le 28 août 2018, avant de recevoir la liste non expurgée des témoins de l'accusation, Augustin Guillaume-Batoiré a tenté de découvrir par ses propres moyens l'identité d'un témoin protégé de l'accusation et a aidé Anselme Zabonima à découvrir l'identité de ce témoin en violation des mesures de protection ordonnées le 24 août 2018. Le 30 et 31 août 2018, les 30 et 31 août 2018, après que l'accusation a déposé sa liste non expurgée de témoins, Augustin Guillaume-Batoiré a révélé l'identité des témoins de l'accusation devant déposer au procès en révision à Anselme Zabonima, qui a transmis cette information à Maximilien Torinabo et ou à Jean-Denis Ndegijimana
en violation des mesures de protection ordonnées le 6 mai 2009 et 24 août 2018, selon lesquelles la défense est tenue de protéger la confidentialité des informations permettant d'identifier les témoins de l'accusation prévue et potentielle. Chef d'accusation, eu égard à son comportement décrit ci-dessus, Augustin Guilabatoire est responsable des infractions suivantes. Chef 1, outrage au tribunal et au mécanisme. Augustin Guilabatoire est pénalement responsable pour avoir commis un outrage, ainsi qu'il est exposé au paragraphe 20 à 23 en exerçant des pressions sur les témoins protégés Anae, Anal, Anam, Anan et ou Anat. Et Laurent Maniragua, Valentine Mokamisha, Vedast Mbarimo et Vincent Toigiraizo. Encourant les peines prévues à l'article 1.4a du statut et à l'article 90.a.4 du règlement. Chef 2. Incitation à commettre un outrage au TPR et au mécanisme. En outre, ou subsidiairement, Augustin Guilabatoire est pénalement responsable d'incitation à commettre un outrage, ainsi qu'il est exposé au paragraphe 20 à 23 pour avoir incité directement Anaeue à revenir sur ce qu'elle avait déclaré au procès et pour avoir incité d'autres personnes, à savoir Maximilien Torinabo, Anselme Zabonimba, Jean de Dieu Ndagijimana et ou Marie-Ose Fatouma a exercé des pressions sur Laurent Maniragua, Valentine Mukamisha, Vedas Mbarimo, Vincent Toigiraizu, Anae, Anal, Anam, Anan et ou Anat. Encourant les peines prévues à l'article 1.4a du statut et aux articles 90a4 et 90b du règlement. Chef 3, outrage au TPR et au mécanisme. Augustin Guilabatoire est pénalement responsable d'outrage, ainsi qu'il est exposé au paragraphe 27 et 28 pour avoir sciemment communiqué des informations confidentielles et avoir eu des contacts non autorisés avec un AE en violation délibérée d'une ordonnance judiciaire encourant les peines prévues à l'article 1.4a du statut et aux articles 90a2 et ou 3 du règlement. Merci. Merci, monsieur du greffe. Je voudrais à ce stade demander à monsieur Guilabatoire s'il a eu l'occasion de discuter les charges pesant contre lui dans l'acte d'accusation avec son conseil et s'il est prêt maintenant à plaider coupable ou non coupable. Merci, monsieur le président. Oui, j'ai eu l'occasion de discuter de l'acte d'accusation avec mon conseil de permanence et je décide de plaider non coupable à toutes les charges qui pèsent contre moi. Merci beaucoup, monsieur Guilabatoire. Before I move to any... Avant de passer à toute autre question que les parties voudraient soulever, l'article 1.4 du statut prévoit que j'examine la question de transfert de cette affaire en vertu de l'article 6 du statut. Ayant examiné cette question et sous réserve de toute requête que pourrait présenter l'une ou l'autre des parties, je conclus que le transfert de cette affaire à une juridiction nationale ne serait pas dans l'intérêt de la justice ou d'un procès rapide. Je ordonne donc que le mécanisme retienne sa compétence en l'instance. Une date de commencement du procès sera fixée conformément à l'article 64B1 et les préparatifs à cet égard vont commencer selon les dispositions de l'article 69 du règlement et l'article 70 du règlement.
Je voudrais, parmi les questions qui suivent, demander au bureau du procureur s'il veut demander une jonction d'instance avec l'affaire Tourinabo. Je voudrais rappeler les parties qu'elles ne devraient pas dire ou présenter des informations qui font l'objet de mesures de protection, qui ne devraient pas révéler ces informations confidentielle. Monsieur le Président, le bureau du procureur, avant la fin de cette semaine, voudrait déposer une requête en jonction de deux instances, de l'instance de M. Ngrabatoire et Tourinabo. À part cela, nous n'avons pas d'autres questions. La Défense, avez-vous une question à soulever? Very well. This concludes today's hearing. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'audience. Je remercie les parties de leur participation. L'audience est levée.